Choki, comment vous allez? Coucou Nelly. Bah, bientôt du coup. Comment tu vas? Mais écoute, ça va bien. Bah, je te souhaite un bon lurk alors. Enfin, les petits dessins. Alors, je vais faire un petit Psykokwak. Pour Nelly, je vais faire un petit chat-bus pour Micha. Et je vais faire un marque-page Harry Potter pour Ondine. J'ai galéré à le dire. Hey, coucou Panda! Comment tu vas? Et en même temps, je vais tester le petit cadeau de Micha. Ces petites cartes. Oh, voilà, c'est bon. Mon dieu. Hop. Et j'ai eu mon cadeau. De moi à moi. Il est trop bien. Et mes petits pinceaux. T'as vu ça? Et encore, c'est vraiment un petit cadeau. Hein, parce que d'habitude, quand je me fais des cadeaux... C'est pas plus gros. Bon, on va commencer par celui de Nelly. Alors, Nelly fait un psychoquac devant un écran. Un psychoquac qui se tient à la tête. On va essayer de faire ça. C'est parti. Bon, vu que j'ai de la place, je vais quand même faire assez grand. Je vais déjà peut-être faire le psychoquac. Mais là, je donne. J'ai une petite référence qu'Andine m'avait envoyée. Mais du coup, je vais le faire avec mon style. Mais tu préfères un PC portable ou un PC PC tour? Écran, clavier ou un petit ordinateur portable? Coucou Dino, comment tu vas? Peu importe, ok. Un petit 3 poils sur le caillou. Bon lurk. Complètement mort, pourquoi? T'as trop travaillé? Coucou Micha, comment tu vas? J'ai pas trouvé mon lit. Ah, il y a un petit souci. Il est énervé, Pito. Il court dans tous les sens. T'es fou dans ta tête? On ne vient pas sur la tour à maman, non? Mais écoute, ça va nickel, je vais tester ton papier. Comment on va faire l'écran? Il est fou, c'est pas possible. Mais Doudou, calme-toi. Pourquoi tu veux ta gueule Tanuki? Il joue avec tous mes cartons. Hop, on va gommer les traits en trop. Bon, je vais peut-être faire un... Attends. Voilà. Je vais faire une petite souris avec. Bon, on va faire tout sans fil, hein. On va s'embêter à faire des fils. Voilà. Elle fait ça pour le moment. Coucou ma May, comment tu vas? J'espère que tu vas mieux. Un petit coucouac. Aïe 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 aïe. Faire un peu ces zubilouteux. Et je pourrais faire quoi comme symbole pour qu'il dise qu'il a mal à la tête? Ah, oh, celui-là comme May. Ah, trop bien. Envoie ton emote psychoquac, ma May. Oh, ça va se faire trop du bien. Un bain. Ça te détendre de fou. Ah merde! Moi je regardais sur... Attends. Sniff. Parce que je voudrais piquer ton... Bah j'ai le droit, je peux piquer ton truc qu'il y a sur la tête là. C'est marrant. Mon dieu, vous avez papoté sur le truc. Je vais lire après. Ça va, ça va. Ça va-t-il. Et là, Rob, c'est quoi qui... Tu es où? Ah, c'est un truc en... Comment on dit? Comment vas-tu? Je vais en faire plusieurs. Quand il y a bien mal à la tête, tu vois. Une belle migraine de psychoquac. J'aime super bien ce porte-mine. Il est pas mal comme ça, non? Il va aimer Nelly, il est en lurk. Et le papier, franchement, il est très agréable à dessiner et tout. On verra après l'aquarelle, regardez. Si, c'est vrai, je peux zoomer plus. On n'a pas besoin de voir le tour. Alors, zoomer. Là. Hop, voilà. Ouais, c'est mieux, t'as raison. Hop. Ah bon, lui il est tout lisse par rapport à celui-là. Allez, maintenant on va faire celui-là des Micha. Allez, Micha va le découvrir parce qu'elle l'a pas vu. Elle n'a pas vu ce que j'ai choisi. J'espère que tu vas aimer. Mais Doudou, tu vas te calmer. Doudou Tanuki. Il arrête pas de crier et courir partout, je sais pas ce qu'il veut. Maou, il fait. Maou. Pito Totoro Tommy. Moi c'est trop mignon. Non, ça c'est un toutou chelou. Pikachu. Hop, le petit muret. Que des mains en l'air. Ah ouais, j'avoue. J'avais pas fait rapprochement. Alors, si son petit corps il est ici, on dirait que sa tête elle est là. Ah oui, j'ai fait des autres à tester aussi, mais ils sont pas encore en couleur. T'intéresses, Micha? Hier, t'as pas eu le temps d'en choisir. Du coup, j'ai mis... Bah là, j'ai mis un Totoro et des Gigi. J'ai fait celui-là et celui-là en couleur hier. Et du coup... Bah, celui-là, ça sera pour... Ah bah non, j'en ai plus d'autres, en fait. J'ai que celui-là. Ceux-là, ils ont été pris du coup par... Ceux-là, c'est pour Ondine. Et là, c'est pour Caro. Du coup, il reste que les deux là. C'est bah, pour ça que moi, je les ai mis en couleur si des fois... Je les ai mis en couleur tout de suite si des fois ça t'intéressait. Je vais en refaire, hein. Je vais en refaire. J'ai plein de modèles. En tout cas, il est trop mignon ton petit chat que t'as fait pour le défi, j'adore. Bon, oh, t'es rétalé comme une crêpe. Ça y est, t'es épuisé. Non, il est trop bien. Franchement, il est trop super. J'adore le maintien. Je sais pas si ça se dit, mais bon. Et par rapport à l'autre que j'avais l'ancien, il crie, tu vois. Et lui, il est tout lisse. Ah, tu m'as compris. Bah ouais. Tu parles. Tu parles mon langage, on va dire. Et ça, c'est des papas. Ils vont bien, les papas. Par contre, les papas, ils vont super bien. J'ai utilisé le plus gros hier. Et le tout fin. Et franchement, ils sont trop bien. Je les kiffe. C'est bien, grâce à Andy, j'ai des doublons. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a plein de pattes, le chat-bus, hein. Il y a plein de patines. Oh, il est mignon. Oh, qu'il est mignon. Il est plein de tendresse en ce moment. Tu vas être ravi. Un peu plus loin. Je lui dis ta faim, yo, bisous. Ah. T'as dit le mot magique. C'est dingue les choses. Si bien. Oui, il y a des petits mots, ils comprennent. Et moi, tout ce qui commence par FRI, il est fou, tu vois, comme frigo, ou comme on parle de la Freebox, soit des trucs comme ça. Ils se retournent en disant qu'est-ce que t'as dit là. Missy Mamei. C'est souris son petit mot. Oh doudou. N'abîme pas les cartes. Hein. Non mais doudou, non, 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 non. Je vais mettre ça là à son côté et je vais essayer de dessiner avec Doudou. Ah mon bébé. Bah ouais, fais-moi des bisous bien sûr. Et où t'as mis ta pâte et jaune là? T'es à la gauche toi. Puis toi le contrôle c'est ça. On est l'esclave de nos shows. Wow, t'as vu de l'aquarelle à maman? C'est mon bobo, mon petit bon ma chérie. Oh, t'as entendu quelque chose? Ah, le meilleur est sur place, mais le soir. Quand je me mets mon gros plaid, il est sur moi et il bouge plus. Et il fait des ronrons. Je peux demander aux filles, ils sont témoins tous les soirs. Tous les soirs, ils ont des petits ronrons de pitot. Mon œil gratte. Voilà le petit chat-bus. Et au-dessus, il y a le petit Totoyo. Bon, normalement, le chat-bus est plus grand que ça, mais on va dire que c'est son bébé. Coucou Rafi, ça va? Non, il y a une petite noiraude. À cause du temps, t'as pas su trop dormir. Je vais faire les yeux avec le post-cop parce que ça va être chiant sinon. Bah voilà, j'ai fini ton croquis, Emilia. T'en penses quoi? T'aimes bien? Ah ouais, j'ai vu le temps, je sais même pas si je vais partir la semaine prochaine. Du coup, je vais faire un beau ciel. T'es mignon. Ah, hop, et maintenant, c'est le marque-page d'Ondine. On dîne et j'essaye de partir sur un petit truc complexe. Bah, complexe, je veux dire que j'ai jamais fait, du coup, on verra ce que ça va donner. C'est normal, t'inquiète. T'avais toujours ça la première fois que tu vas voir quelqu'un. Je me rappelle, j'ai eu une petite boule la première fois que je devais aller voir Maï. Petite boule de stress, tu vois. Mais après, ça passe tout seul. Tu dis que tu t'entends bien, pourquoi tu penses ça? Juste manger ensemble, t'inquiète, y'a pas... Ouais, mais faut pas penser des trucs négatifs, Rafi. C'est normal, la boule, mais... Il faut pas penser des trucs négatifs, le gars. Quand tu vois, Mélie, il va passer du bon temps. Je me suis pas dit, tu vas voir, est-ce que ça va bien se passer? Rien, mais non, c'est sûr que ça va bien se passer. C'est juste, c'est normal que t'as une boule. C'est la première fois. Mais bon, c'est samedi, ta boule, elle peut arriver un petit peu plus tard, quoi. Tu te dis, c'est juste un miam miam entre amis, quoi. Il y a rien de méchant. Entre potes, quoi, pour le moment. Bah ouais, de toute façon, tu stresses toujours pour rien. J'ai dit que c'est pas bon le stress pour le cœur. Et à chaque fois, regarde, à chaque fois ça se finit, ça... tu stresses pour rien parce que ça... Et ça s'est bien passé tout ça à chaque fois. Et en plus, ouais, vous avez même pas vraiment passé... vous voulez même pas manger vraiment ensemble, quoi. Enfin, après, c'est pas, tu dis, c'est pas vraiment le premier rendez-vous, vu que vous êtes déjà vus. Puis c'est pas vraiment un rendez-vous, il vient juste manger dans ton restaurant, quoi, c'est tout. C'est un client comme un autre, du coup. Bon, voilà. J'ai terminé mes croquis. On va passer à la couleur. Ah, je suis gelée. Non, elle est plus... Elle est plus avec... ton croquis, c'est pour moi perso. Là, je fais que pour mes chouquis aujourd'hui. Mais si j'ai fini, ouais, je pourrais commencer déjà, tu vois. Pardon. Oh, j'ai attrapé la crève avec ce temps de merde, oh putain. Alors, du coup, je vais faire le fond. Je vais essayer de faire le fond à lui avant. Parce qu'après, je dois l'entourer tout de noir vêtu. Mais si! Mon bébé, regardez comment il est beau. T'en as mis un peu partout, mais bon. Bah vous aurez... Non rien, c'est dégueulasse. On doit être à la litière, tu pues mon chéri. Maman doudou, maman doudou, maman. Moi je vais pas te prendre 5 ans. Hein. Ah, il fait mal à ma gorge. Ah, non mais sérieux, il se pose lui. Bah ouais, c'est toujours pas passé. On a beau les appeler, ils répondent pas, c'est... Je vais me retenir. Non mais sérieux, il s'est posé sur ma main. Puis il se lèche. Non mais Doudou, j'ai pas ton porte... un porte-chat. Regarde les chouquis, comment t'es beau. Non mais sérieux, il reste là. Oh mon bébé. Venez. Oh là, il est comme ça. Il reste comme ça. Oh nanya. Malin, mono. Ah moi doudou. Oh mais t'es lourd hein. Eh, mon petit pâté. Mon petit pâté de jambon, mon petit pâté de jambon. Mmh. Mmh. C'est mon moment câlin, désolé. Allez, attention, on va jouer avec tes cartons. Oh t'inquiète, c'est bon, la vie elle est faite de surprises et... T'inquiète pas, t'es pas la seule. Alors, on va faire un peu un ciel un peu bleu grisé. On va faire déjà les... Ouais, j'avais compris. C'est Rafi. Renélie, regarde ta carte. T'aimes bien? Je vais commencer à mettre en couleur. Là, c'est pour Emicha. Et là, je fais Ondinette. J'ai raté un peu ses yeux. Ils sont plus ronds, ces yeux. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire des... Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, j'ai eu mon petit test de couleur ici. Il faut que j'essaie de refaire un bleu comme ça, j'aimais bien. Alors. Moi, je dois faire clair au début. Oui, j'utilise les nouveaux pinceaux. Ils sont trop bien. En plus, là, j'ai pris le violet. Bah, il fait bleu à la cam, mais bon, c'est violet. Et franchement, ils sont super. Je peux dépasser, de toute façon, ce sera tout en noir. Là, on va en mettre un petit peu plus foncé. On va mettre celui-là, il est joli. Je vais attendre que ça sèche par contre. Un gris plus foncé. Ah, trop bien. C'est lesquels déjà? C'est pour apprendre l'aquarelle là? Elle commande tellement que on sait plus ce qu'elle a pris. J'ai pas envie de faire cacouille, j'attends que ça sèche. On va faire le fond. Je regarde s'il est assez gros. Je vais peut-être prendre... Non, je sais pas. Oui, bah de toute façon, il faut que je rattrape parce que... J'ai loupé plein de trucs tout à l'heure. On va mettre un peu de violet dans le ciel. Mais si. Oh, Ce papier me plaît bien. De toute façon, la noiraude, elle est noire. Ah oui, c'est pas du tout pareil qu'avec l'autre. J'aime beaucoup. Je peux faire des effets avec les textures qu'il y a dans le papier, c'est pas mal. Moi qui voulais faire des petits nuages en plus, bah ce sera nickel. Par contre, hop. Ah, une pito! J'ai pris une boule de pito! Je regardais aussi. Ouh. Il en était intéressant. Hâte de voir, j'avoue. J'aime beaucoup. Le papier est super. Hop, alors le psychoquac, le fond, je ne sais pas du tout comment je vais le faire. Bah, le bureau, je vais le faire en bois. L'ordi, bah, je le fais en noir, non? Nelly, tu veux quelle couleur le fond? Mais non, il partirait tes dents, voyons. Moi, avoir un mail comme ça, mais le mail du chandin. Pas bien, tu manges trop de bonbons. Oui, Micha. Je vais faire quoi de beau aujourd'hui, mes chouchouks? souffrir. Mais tu sais même pas ce qu'il va te faire, tu vas pas souffrir. Tout ça, il t'endort. Ils font pas mal. Après, c'est rare que je vais chez le dentiste, mais quand j'ai été, c'était pour m'arracher mes 4 dents de sagesse. Et moi, je suis bizarre, je sens pas trop la douleur. Après, il t'endort, du coup. T'as pas vraiment mal. Oui. Oui, j'ai envie de dormir. Bah, tu dors chez le dentiste, comme ça, moi, tu sens rien. Mais elle va être là sur la chaise en train de ronfler. Et bavé, ouais. Bah ouais, vu que t'as la bouche ouverte. Alors ce papier, bah franchement je le kiffe. Et rien à voir avec le papier canson que j'utilise. J'utilise celui-là moi. Et pourtant il fait 300 grammes, hein, mais il n'y a pas. Il est lisse en fait, que lui il est bien texturé et je trouve que c'est trop agréable quand tu fais de l'aquarelle avec. Donc j'adore. Bonne promenade. Tiens, bah, je vais essayer le moyen, j'ai pas encore testé. Non mais si, je le suis. Et franchement... Ouais, ça fait des... Pas vraiment des lignes. Bah, ça fait des lignes, mais ça fait des genres de petites taches. Gann. Ah là, on voit bien Gann, super. Ouais, je crois que ça doit être des lignes. Et franchement, c'est trop top. Derrière, tu vois que c'est lisse, derrière. Ah mais plutôt tes poils. Et la technique que je veux faire, elle va mieux sur ce papier là. J'aime bien. Oui, c'est quand même en ligne, ok, c'est joli. Faut juste pas faire des trucs avec des petits détails. Ça marchera pas. Les petits détails, du coup, tu conseilles celui-là que vous avez, là, le aqua... Le... Attends, je vais le chercher. Celui-là. Il est top aussi. Et le graille comme ça. Franchement génial. Je l'avais déjà testé celui-là chez toi, je crois. J'avais fait un ATC avec. J'ai même testé ta poster color. J'attends que ça sèche. Pas faire de conneries. Donc on va passer à celui-là. Alors. Putain, on dirait qu'il y a une souris dans la musique. On grignote. Non, je fais toujours la claire avant le foncé. Après, je sais pas comment il faut faire. Je sais pas si c'est comme... Avec grande couleur, je fais l'inverse. Mais à l'aquarelle, je passe le clair avant et après, je passe l'ombrage. Pardon. Bah là ils sont à peu près, bah ils sont juste un petit peu plus rougeâtres, mais c'est vrai que bah ça, ouais, ça dépend les modèles. Il y en a ça fait brun rouge, il y en a ces modèles ça fait brun brun. J'ai peur, c'est pour le corps à chaque fois, j'ai peur de faire trop jaune. Tu vois, pour le reste du corps. Mais bon, on verra bien. Je vais faire le petit muret. J'avoue, c'est pas con. J'avoue. Ben, j'essaierai la prochaine fois. Merci, Maï, pour le conseil. C'est vrai que ça serait moins chiant, du coup. Hop, on va laisser sécher. Oh, j'ai oublié de mettre le ciel bleu. Ah, là. Si je fais ça, ça devrait aller, non? Oui, nickel. Hop, voilà. Peut-être que ça sèche. On passe à Psykokwak. C'est sec, ça? Ouais. Faire l'ombrage de l'ordinateur. Bah ouais, voilà, maintenant je dois esquiver, du coup ça va être chiant. J'ai pris l'habitude. Ouais, je crois que ça doit être ça. Là, j'ai envie de m'habituer vraiment à l'aquarelle. Et j'ai hâte de tester mes nouvelles que je vais avoir. J'ai entendu dire que c'est vraiment un mélange de gouache et d'aquarelle et j'ai hâte de les tester. Aquarelle gage couche par couche. Mais si, ma Maïli, bon dentiste à toi. Plein de bisous. Plein de petits cœurs à toi. Là, j'ai galéré. Moi, tu vas Ibiki. J'allais faire un mélange entre Ben et Ibiki, du coup, ça faisait bizarre. Ça faisait Bemiki. Bah écoute, ça va nickel. J'ai testé mes nouveaux pinceaux, mon nouveau crayon et mes nouvelles feuilles. Mais alors ça donne quoi? Je kiffe. Le papier est super, il va super bien avec les effets que je veux faire. On va les faire vers le truc. Hop. Le corps du chat-bus. Alors, la couleur. Toi, t'es tombé amoureux des Sakura Koi? Sakura Koi. Ça fait pas assez jeune. Ouais, mais souvent nous on dit ça, nous. Et ouais, tu vois, je suis amoureuse des pinceaux, amoureuse du porte-mine, du papier. Ouais, les couleurs elles sont top. Franchement, moi j'ai commencé avec ceux-là et. Ils sont nickel. Ouais, je vais faire l'ombrage après. On y est presque, on y est presque. On va faire Psykokwak. Je vais peut-être faire l'ombrage de son bec. Attends, je vais faire ça avant. Ils sont quelle couleur ça, ouais. Par contre, il faudra vous me dire si vous préférez un liner sépia ou un liner noir. Mais si. Bon, si vous me répondez pas, je vais faire la même façon. Là, je crois que moi, je vois bien le Psykokwak plutôt en liner noir. Et le Chat-bus plus en sépia. Il est doux et j'aimerais bien que ça reste doux. Et j'ai peur que ça casse avec le noir. Mais bon, si vous avez une préférence, je préfère vous demander. Parce que c'est à vous, c'est votre petite carte à vous. Tu te débrouilles. Comment aller? Bah ok, je me débrouille. Il se termine, ça se termine. Mais eux. Alors, c'est bon, le Chat-bus, j'ai tout fait l'aquarelle. Il manque le dégradé de Psykokwak. Alors, je vais quand même vérifier si j'ai rien oublié. Bien sûr que je signe. Alors, Psykokwak, il ne reste plus que le noir, mais ça c'est bon. Pour Emicha, voilà, l'aquarelle, c'est bon. Et pour Rondinette aussi. Et donc, on pourra passer en live. Ah là, j'attends qu'il sèche quand même, Psykokwak, parce qu'il est encore mouillé. Je vais faire celui-là de Ondine, parce que tout à l'heure, il a pu sécher. Et en fait, là, je vais faire du coup le fond tout noir. Et en fait, il n'y a vraiment que... bah là, c'est Poudlard, tout ça, quoi. Du coup, je vais utiliser mon gros ouais. Mon gros ouais. Du coup, après ça, ça sera pour Totoro et ma Chat-bus. Et pour Psykokwak. Je sais pas comment je... Le S il donne quoi? Oh, nickel. Je vais prendre celui-là. Faire les finitions plus hautes. Avec les lignes plus moins gros. Je vais même les blastifier pour les protéger. On va faire comme si on voit qu'ils étaient loin. J'aurais dû peut-être faire à la gauche en fait, pour le noir. Moi célèbre. Et je serais célèbre pourquoi? Dessous. J'aime pas trop qu'on voit les traits, c'est chiant. Je suis con, j'aurais dû faire des petits ronds. En faisant des petits ronds, on voit pas trop les traits. région. Mais attends, après je vais faire des effets de neige. J'espère que je vais réussir. Et surtout, j'espère qu'Ondine va kiffer. Oui. On pour laisser sécher. Est-ce que Psykokwak t'es sec? Psykokwak est sec. C'est sublissime. Pas fini. Mais ouais, ça rend bien. Bon, toujours, les traces on va plus le voir dès que je vais passer. Dès que je vais le mettre sous, sous plastique. Voilà. Il ne reste plus qu'à gommer. Pour enlever les traces de crayon. Hop. Maintenant, la petite maraude. Ah, je commence à avoir faim. Je sais même pas ce que je vais manger en plus. J'ai mangé quoi, vous? Ah, reste du chino d'hier, miam miam. Et le bon curry aussi. Oh, ça me donne faim. Bah, ce soir, ça va être bon. Je vais faire du hello fresh. Mais pour ce midi, j'en ai aucune idée. Ah, les feux tes doigts, c'est mignon. Bon, j'ai pas en rajouté trop, je vais arrêter parce que sinon j'ai peur de tout gâcher. Je suis pas trop satisfaite. J'aime bien, bah c'est le principal, c'est pour toi. Bah ouais. Pourquoi tu gommes pas, toi? Bah ouais, bah je l'ai fait après le line. Si, mais juste après avoir fait le line, bah ouais, bah j'ai exactement fait comme toi, j'ai fait le line et je gomme. Ah oui, toujours. Je fais mon croquis, la couleur, le line et je gomme. Ah, pourquoi toi tu fais le line, tu gommes et tu mets... T'as pas peur que ton liner, il bave sur ton aquarelle? Bah ouais, sinon ouais, ça bave. Bah tu utilises quoi comme line? Ah moi je faisais ça pour les fêtes à alcool. Mais voilà. Je suis là pour les yeux de ma signature. Ah nickel, il va être midi, j'aurais fini. Ah oui, c'est de l'encre de Chine. Ah si, elle est waterproof et tout, hein, celle-là elle est pas mal. C'est que non, ici. Nuffiiii. Je vais essayer de me faire un tampon pour ma signature. Ah bah ouais, il n'y a pas tort. Mais c'est la fille. Ouais, pas mal. Oh là. Bon, en tout cas, j'aurai le... Faudra que tu m'envoies ton adresse, Nelly, en privé. Et j'enverrai ça la semaine prochaine. Je vais vous plastifier et puis hop. Ah oui, moi aussi j'ai trop envie de faire mon petit logo là. Ah, ma petite signature. Je vais prendre le petit tampon le mois prochain, je pense. C'est sec, j'attends que c'est sec. Ah, tu vois, il est trop beau. Elle l'a fait il n'y a pas longtemps, il est trop beau. Je peux pas vous le montrer, je ne l'ai pas encore. Hop. Ouais, du coup, je vous plastifie. Alors, Nelly et Micha et Ondine. J'avoue. Tu veux dire le tampon qu'elle a utilisé? Parce qu'un logo, c'est personnel. Elle a pas de ref, c'est son nom, quoi. Je prends les trois. Et non, gourmande. Le matériel? Ouais, t'étais peut-être pas là quand on l'avait envoyé. Attends. En plus, c'est pas très cher et tout, c'est pas mal. Hop. Mais bon, il faut le faire toi-même, hein, du coup. Moi, je crois que je vais en niquer quelques-uns avant. Ah bah voilà. Non, ouais, mais c'est mignon un tampon. Et puis en plus, je peux faire mon tampon en violet, tu vois. Bah, je sais pas encore comment l'organiser, mon tampon. Bon. On va se motiver pour faire du sport. Ma boîte, elle commence à plus se fermer. Mais en tout cas, cet après-midi, il y a la radio. Je travaille avec vous. Et du coup, bah ouais, je suis d'accord, je serai pas avec vous pour mon anniversaire. Bah normalement, je suis censée repartir la semaine prochaine, mais avec le temps qu'il fait, j'espère que ça va se calmer. Et je suis deg, en plus sa webcam elle a augmenté là. J'espère que dès que je vais recevoir, je vais attendre quand même qu'elle baisse. De toute façon, pour l'instant, je suis pas encore au seuil. Il faut que j'attends que le mois de mars y passe. Pardon. J'avoue. Oh, dégueulasse. Des bisous, Micha. Passe une bonne après-midi. Une petite cœur à toi. Et voilà. Du coup, je plastifie tout ça. Je vois pas ce que tu veux dire. Ah non. Bon. Ah, motivation. En fait, je fais tout le temps de la Zumba en ce moment, mais je regardais il y a quoi la fille. L'aérobic, je regardais il y a quoi plutôt à la Zumba. Alors. Zumba, ouais, du coup, il y a plein de nouvelles vidéos. Oh là là, c'était 50 minutes et tout. C'est malade, je cours pas dehors, je vais crever moi. Tellement pollué, je cours jusqu'au cimetière, je suis sûr, je suis par terre. En train de suffoquer. Bah tiens, je vais faire de la zoom zoom. Ça fait longtemps. Je vais faire 36 pour le moment. C'est la plus... Bah, j'aimais bien faire ma marche rapide sur mon tapis, mais il a rendu l'âme. Il n'y a vraiment pas de bol. J'ai niqué ma tablette, j'ai niqué mon tapis, j'ai niqué un écran à mon père. Bah, laisse tomber, je porte la poisse en fait. Je suis une fille maudite. Oh non, je préfère danser. Ouais. En tout cas, je vous tiens au courant, mais sinon, la prochaine fois, le stream de prévu, bah du coup, c'est dans 2 semaines. J'ai manqué, vous serez pas là pour mon anniversaire. Bah, je serai sur le Didi, hein. Mais je serais pas avec eux, je serais pas en live quoi. Bah ça fait comme la dernière fois, tous les 2 semaines. Normalement jusque avril-mai ça devrait être fini. Je fais mon maximum. Je fais plus vite que je peux. Du coup, normalement, la prochaine fois, mais ça fait donc millions pour téléphone. Ça serait, ouais, je reviendrai le 27, quoi. Il y aura un live le 28. Bah, toujours fin du mois. D'accord, c'est bizarre quand même. Ouais. Oui, bisous, à plus, Nelly. Mais de toute façon, je vais vous laisser aussi. Je vais faire mon sport avant de manger parce que je commence à avoir trop la dalle. Bah, du coup, je vous envoie plein de kissous, plein d'amour, mes chouchouks. Et bah, prenez soin de vous. Et on se retrouve du coup fin du mois pour un nouveau live. Mais en tout cas. On est beaucoup sur soit sur mon Didi ou soit sur le Didi Amélie. J'allais bouger mon cul. Bouger mon cul-cul. Je vous kiffe mes chouquis. Mmh. Surtout prenez soin de vous. Hein. On se retrouve très vite. Ça passe vite 2 semaines. Et ouais, et cet après-midi, il y a Radio Pito. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais il y a Radio Pito. Des bisous. Je vous kiffe mes chouchouks.